pratiquement le grand enchantement, on en parle dans ma jeunesse, c'est-à-dire je fais partie de, à Bruxelles, du théâtre de la Monnaie, à Saint-Sébastien, à l'Opéra Comique, à l'Athénée. Elle a voulu être elle-même, même si elle n'atteignait pas la grandeur d'Isadora Duncan, mais dans les danses qu'elle nous léguait, elle n'a jamais mis son point d'orgueil à changer quelque chose. Pourquoi ? Était une chose sauvage, effroyable, et pourtant belle. C'était là, cette terre dont on nous a parlé, faite de chaos et de ténèbres.